Wesh les petits potes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulou Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de détruire des caméras ou des tourelles de sécurité. Alors moi j'ai une big astuce pour faire ce défi, je vous l'explique tout de suite. Tout d'abord, il faut savoir où est-ce que vous pouvez trouver des caméras et des tourelles de sécurité. Eh bien tout simplement dans les nouveaux lieux dits de la saison 2. Donc le requin, le yacht, l'agence, la grotte et la plateforme. À tous ces endroits-là, vous avez des tourelles de sécurité et des caméras. Alors moi, ce que je vous conseille, enfin moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vidéo. J'ai été à la plateforme et j'ai trouvé 5 objets à détruire. Donc j'ai trouvé, je pense, 2 caméras et 3 tourelles. Donc de toute façon, vous allez les voir dans le gameplay. Je vais faire un petit montage pour que vous les voyez tous. Mais ma technique ultime, la technique le best de chez best, c'est de se camoufler. Donc bim, vous arrivez, vous prenez une cabine téléphonique, vous vous déguisez et boum, vous allez près de la caméra, vous la détruisez, il n'y a personne qui voit rien, ils s'en battent les couilles. Vous allez près de la tourelle de sécurité, vous détruisez la tourelle de sécurité à coup de pioche pendant 10 minutes, t'inquiète pas, ils s'en battent les couilles les autres, ils te regardent faire et il n'y a personne qui te démasque. Et boum, tranquille, tu fais ton défi au calme. Cependant, il faut faire très attention à ça parce que la tourelle, quand tu lui frappes dessus, c'est la seule qui arrive à comprendre qu'elle se fait taper dessus. Les autres, ils voient que tu es en train de la défoncer, mais pour eux, à mon avis, ils croient que tu es en train de la réparer. Tu vois, je sais pas, mais... Enfin bref, la tourelle, elle sait que tu es en train de la défoncer parce qu'elle perd de la vie. À mon avis, elle a un système d'auto-défense et elle cherche qui est en train de lui défoncer sa vie, tu vois. Donc si tu te mets dans son rayon, donc dans son laser, boum, là elle va te démasquer et après ben faudra que tu fasses attention parce que franchement elle est super balèze, hein. Elle te lâche pas d'une semelle, donc fais gaffe à ça, à ce petit détail. Par contre, j'ai oublié de vous dire, ce défi n'est uniquement faisable qu'en solo, en duo ou en squad parce que en foire d'empoigne les PNJ n'apparaissent pas, donc voilà les bots. Les acolytes, enfin, je sais pas comment vous les appelez. Bref, ils n'apparaissent pas en foire d'empoigne. Donc, allez bien en solo, duo ou squad. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. J'espère que mes astuces vous auront été utiles. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était Soikoulmec et ciao. Peace.